C'est Loïc qui est au sablage. Il est là. Oh, vache, ça en met partout. Ouais, rien. T'as vu, rien. Il est là, il y a un trou, ouais. Bon, basculement de la cabine. Et là, c'est pas bon signe, c'est pas bon signe. Vous savez, GG, la couleur qu'il a. Tu sais comment elle s'appelle, la couleur de GG, le bleu? C'est un boulot de malade, n'empêche. Oh, je suis ourdé. Oh là 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 là. Non, tu m'as dit que... Ah oh non, fallait surtout pas peindre ça. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et oui, bienvenue. Voilà, voilà, encore une journée qui commence. Il fait sombre, donc vous savez ouais. Où on est encore. On est encore dans le camion et encore dans la cabine de sablage. Et d'ailleurs, en parlant de sablage. Ça. Ouais, bah, comme vous avez vu dans la dernière vidéo, ça y est, on a reçu notre pare-brise. Voilà. Et donc, qui dit pare-brise, dit maintenant, il va falloir s'occuper du contour du pare-brise. C'est ce qu'on redoute un peu parce que le chef, il a dit là, c'est pas beau quand même. Il est pas beau, ouais. Ouais. Donc, le sablage, ouais. Ah, est-ce que ça va encore nous réserver les surprises? On va voir ça. Au point où on en est. Alors, j'appréhende un peu parce que j'ai caché, mais pas trop bien et tout. J'espère que ça va pas trop rentrer dans la cabine. Bah, il y a tellement de... Ouais. Ouais. Il y a la rampe de phare aussi là-haut, là. J'aurais peut-être pu la démonter. Et puis, ouais, enfin voilà quoi. C'est pas évident, hein. En plus, de toute façon, le masquage, je t'ai fait. Ouais, et puis c'est du grain de sable qui part très très vite. Un moindre bout de verre, ping, terminé. Donc voilà, mais bon, c'est comme ça, ça devrait ça le faire. Va le faire ça voilà. Va le faire. Et puis toi, aujourd'hui, qu'est-ce que t'as prévu, toi? Ouf! Pour l'EDF, là, ça va Oui, bon, je suis en train de remettre... ouais, il y a plein de trucs encore qui me tombent dessus. Enfin, bref, après, voilà, c'est de la logistique. Du coup, je suis enfermée dans ma grotte. Ouais, et puis là, la grotte, hein, c'est... Ah ouais, c'est la grotte, moi. Mais bon, ça me permet d'avancer aussi, mais si j'ai moins de trucs qui me tombent dessus à traiter, ce serait bien que j'avance un peu plus vite. Ouais, je suis en train de travailler aussi sur un programme en naturopathie. Que j'aimerais bien qu'ils sortent vers la fin du mois d'août. Donc j'ai encore un peu de boulot quand même. Et après, Capu, elle va revenir et il faudra lui faire les cours. Ah oui. On va reprendre l'école un petit peu, ouais. Donc là, il a eu des bonnes vacances. Ouais. Donc ce qui fait que j'avancerai moins vite. Donc j'essaye d'avancer bien le matin. Et puis des nouvelles de Fifis. Des nouvelles de Fifis. Il va très bien. Ça va, top, tranquille. Il s'en fait pas, lui. Ouais. Donc il est resté en Normandie chez mes grands-parents, chez ses grands-parents, pour travailler. Voilà. Ouais. Il travaille tout l'été à la commune. Oui, il a du monde autour. Il fait sa petite vie. Voilà. Ouais. Donc voilà, puis on l'appelle régulièrement. Voilà. Oui, mes parents aussi, encore, c'est pareil. Oui, des messages, tout ça. Donc, il va bien. Donc voilà. C'est bon. Allez, c'est parti. Bonne vidéo. Sablage. Il est là. Oh, vache, ça en met partout. Ouais, rien. T'as vu rien? Il est là, il y a un trou. Ouais. Quand il y a du noir, des fois je vois apparaître du noir. Faut que je continue. Ouais. Voilà. Ouais. Putain, mais. Attends, je vais continuer mon pas. Ouais. Et c'est un boulot de malade, n'empêche. Je suis ourdé. Un truc de fou. Je raconte même pas l'état de la cabine quand on va enlever le carton. Oh là là là. En tout cas, le résultat est pas très joli. Voilà, regardez. Ça, c'est des trous. Encore des trous. Là, tout le long, il y a des trous. Et ouais. Là-haut, pareil. Ouais. Ah là 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 là, encore là.
par contre. Noir, noir. Oh là là, et derrière, tourne-toi. Wow. C'est pas une douche qu'il te faut, c'est un Karcher. Hein. Et même le t-shirt, regarde. Ça, bah c'est oui. À l'intérieur du t-shirt, ça. Bah oui, ça passe à travers les fibres. Ouais, je te fiche. Bah ouais, bah là. Oh là, t'as de la douche après. Et t'as de la douche. J'espère qu'on a assez d'eau. C'est la rivière. Ouais. C'est un truc de fou. J'ose même pas rentrer comme ça. Je vais te souffler. Je vais te souffler. Hein? Je vais te souffler. Je vais me souffler. Ça va, c'est pas trop rentré toi dans le camion? Non, 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 je crois pas. Bah, je n'ose même pas ouvrir la cabine. Ah bah attends, moi je vais le faire. Oh là là, le travail quoi. Bah ouais, il y en a un petit peu. Oh, oh le délire. Ouais. Putain. La cabine, elle va être bonne c'est à... un truc de fou, quoi. À souffler. Ah bah oui, mais ça... Fallait ouais. Écouter, hein. Mais après, ils ont un bon aspi. Oui, on va le faire à l'aspi parce souffler. Que si on souffle, oh, si on souffle, laisse tomber. Tu verras le toit, c'est pareil, ouais. Il est gourdé. Ah ouais, après, un bon lavage. Ce que t'as illustré. Ouais, ce que j'ai illustré tout à l'heure. Ouais, mais il avait dit, une fois que c'est illustré, limite, ça va s'en aller plus vite au lavage. Ça va glisser. Bon, allez, je te souffle et à la douche. Non, bah, je pense que j'ai assez soufflé. Non, j'ai envie de te souffler. Bon, bah, c'est vraiment... Bon, nettoyage. Ouais, je suis à peine en train de tirer sur le pare-brise. Écoute. Oh là 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 là. C'est l'aura. Il n'est pas plus le bon, déjà, il y a du jour. T'entends? Ouais. C'est de sortir de la porte. Ça va? Ouais. Mais tranquille. Bah voilà. Puis j'ai caché pour l'époxy et tout ça, là, tout ça, je peux le virer, je peux tout recommencer. Ah bah oui, c'est plein de sable. Ouais, je pensais qu'on allait faire dans l'autre sens en fait, qu'on allait faire l'époxy et après sabler quoi. Super, tout ce que j'ai fait là, je suis bon à les refaire. À tout virer. Mais tu donnes ça là, à l'intérieur. Ouais. Tu démontes, tu avances pas. Ouais. Bon, ça y est, le nettoyage est terminé. Ça y est. Oh là là, il y en avait partout, partout. Même dans le capitonnage, je passais un coup de soufflette, ça ressortait dans tout. Un truc de fou. Ouais. Donc voilà, ça y est, ça tombe propre. Enfin, la poignée, elle a pris du sable, elle est dure à ouvrir, un truc de fou. Il y en avait dans les machins, derrière. Un truc de malade. Et je me demande même si plus tard en roulant on va pas en retrouver. Ouais, allez, ça y est, c'est fait. Maintenant, anti-rouille au niveau de là où j'ai sablé. Allez, le chef vient de dire on rentre GG ici. Impeccable, on va sortir enfin de cette cabine de sablage. Il y en a marre de cette sombreur, obligé de se faire allumer par les lumières, là, obligé d'avoir de la lumière par les néons. Ah, elle est partie. Ouais, j'allais dire, même les plantes, on a des plantes ici, obligé de les sortir dehors, parce qu'ici, on voit même pas les UV. Un truc de fou. Allez, on démarre GG, on sort. Je suis en train de ranger tout le bazar et le mettre dans les coffres. J'ai la bouteille de gaz et tout. Et regardez. Je sais pas si on va bien voir. Ah ouais, on va peut-être pas voir. Regardez, voilà, si on le voit bien. Regardez les petites pattes de souris. Hein? Regardez les petites pattes de souris. Regardez, ça passe là. Là, il y avait la caisse qui était à cet endroit-là. Regarde, ça passe ici, ça passe là, et après ça passait où? Ah, ils ont réussi à passer derrière, ou alors elle a fait demi-tour, je ne sais pas. Ah ouais, elle a fait demi-tour, il n'y a plus rien ici. Donc voilà, hop, elle est arrivée là, elle a fouiné là, elle est passée le long là-bas. Ah non, elle est passée là. Alors, regardez, hop, elle est passée ici. On t'a repéré, souris. Et tu venais d'où? Tu venais aussi de par là. Voilà. On va te repérer où? On va te repérer là aussi. Oh, elle a commencé à faire des... à ramener du bazar ici, à mon avis. Ouais. Ah là 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 là. Ouais.
Et en fait, là, ici, c'est des anciennes lumières, parce que ça, c'est une ancienne cabine de peinture. Et en fait, il y a des lumières là-dedans. Et en fait, on les entend ici. Elles sont là derrière. Ah, les souris. Ah, tant que vous rentrez pas dans GG, après, vous faites ce que vous voulez, moi. C'est tout ce que je veux, moi. Nouveau spot, wouh, avec de la lumière. Wouh. Ouais, une étoile pour la lumière. Pour un petit voyage, Nestor. Et c'est pratique, hein. Dans le pare-brise, je te vois. Il a voulu aller dans la cabine. Ouais. Allez, ça y est, aussitôt rentré dans le garage. Voilà, ça y est, on a mis l'anti-rouille. Voilà, le convertisseur de rouille. Voilà, sur tout ce que j'ai sablé hier. Donc nickel, ça l'a fait. Voilà, on a un petit peu de trop. Voilà, et sur ce que Jérém a fait aussi hier. Voilà, sur ça, hop, ça y est, j'en ai mis aussi. Voilà, comme ça, j'en ai même mis un petit peu, là, je suis remonté un peu plus. Et voilà, comme ça, on va pouvoir repeindre après tranquille. On va le faire. Regardez qui c'est qui arrive. Non, il est tout seul. Il y a personne à côté. Mais Star, il est content, hein. Il est content. Aussitôt elle est arrivée, aussitôt ça y est, ça match. Hein, ouais, ouais, avec 13 ans, j'ai pas mangé. T'as pas mangé? Voilà, c'était bien la Bretagne? T'as profité? Ouais, c'était cool. Ah, génial, t'en as de la chance. Ouais. Ouais, t'as fait quoi là-bas? Bah, on est allé au bord de la mer, on est allé chercher le lait à la ferme. Ouais, le top, quoi. C'est de la continue. Génial. Je suis content que tu sois revenu, non? C'était rapide, mais tu m'as manqué un peu quand même. Bon, quand je vous dis que du sablage, on va en récupérer partout. J'ai basculé la cabine, regardez. Il y en a déjà partout là. Tout ici. Là. C'était dans les montants de porte. Et attendez, le pire n'est pas encore là. Le pire, il est là. Donc j'ai attaqué la peinture époxy là. Donc voilà. Et regardez. Tout le sable qui est arrivé ici. En fait, quand j'ai basculé la cabine, ça a dû avancer dans un sens et j'ai remise dans l'autre sens. Et regardez, tout ça. Et voilà, c'est du sablage. Alors c'est bien, c'est que je me suis fait avoir là. Regardez, il y en a plein partout. Et j'ai peigné dans le noir, J'ai dit, c'est quoi ce truc-là? J'ai même foutu dans la peinture, je suis dégoûté. Du coup, j'ai mis la lumière pour voir ce que je faisais. Et c'est là que je me suis dit, catastrophe, catastrophe. Et j'ai fait tous les bords. Ouais, j'avais tout bien protégé et tout là, j'avais fait ça tout bien. Et le chef il a dit non, on enlève avant parce que ça a gêné. Puis bien, de toute façon j'ai conduit, donc la vitesse et tout ça, alors il a fallu que je les enlève. Et oui, j'ai eu un peu la flemme de remettre le scotch. Mais en fait le tapis il revient par dessus, donc je m'en fiche un petit peu. Ça devrait le faire, ouais, c'est pas parfait. Hein. Celui qui veut faire mieux, ben, il avait qu'à être là, ou venir. Ouais, ah là là, donc ça... J'ai fait aussi la peinture époxy sur ce que Jérém a fait. Voilà, nickel, j'en ai profité pour monter un peu. Et puis ça va le faire, ça va le faire tout bien. Ouais, bon allez, du coup j'ai ressorti l'aspirateur. Et allez, on va nettoyer tout ça pour finir la peinture. Oh là 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 là. Vinciane qui attaque la grosse lustreuse. Alors je te filme. Ouais. Bon, ça y est, on rebouche. Voilà, tous les petits trous là, ça y est, ils sont en train de disparaître là. Voilà, regardez tous les petits trous qu'il y avait là. Hop, voilà, ça y est. Ouais.
Et là, on rebouche avec. On est obligé un peu de mettre du mastic, mastic alu. Parce qu'en fait, le top, ouais, ça aurait été de ressouder, de remettre une ferraille et tout ça. Mais franchement, on va vraiment pas prendre de risque parce que ça, c'est un coup à foutre le feu au capitonnage. Alors, il aurait fallu tout enlever, tout démonter. Voilà, tout est possible. Là, le tableau de bord, il aurait fallu le virer et tout ça. Mais je sais pas si vous avez vu, mais le capitonnage à GG, là, il est vraiment, enfin, il est propre quoi au plafond, il est vraiment tout nickel. Et c'est un coup à tout enlever et à plus pouvoir remettre. Donc voilà, on a pris cette solution là et franchement, c'est tout aussi bien. C'est dur comme de la ferraille, hein, c'est ça, hein, ça se reponce. Et reposer le pare-brise sur ça, c'est l'idéal. Voilà, nickel. Voilà, les petits trous, c'est fini les petits trous. Le top, ça avance. Les petits trous, c'est fini les petits trous. Bon, on a passé la nuit dans le garage, impeccable. La cabine de sablage, elle était vide, mais pas pour longtemps. Parce qu'il y a Jérém qui emmène Cacahuète au sablage. Ça va toi? Regardez. Oh l'artiste celui-là. Un petit coup de klaxon. Déjà il y a un volant. Ah c'était ça la solution. Sans pare-brise mais avec des lunettes. Oh là 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 là. L'artiste. Attention nous allons manœuvrer. Regardez Cacahuète. Chut, plus rien. Ah, elle va au sablage la Cacahuète. Regardez. Ça, il reste encore des pédales. Oh là là, l'artiste. C'est là. Sans rien. Sans batterie. Bah si, il a moins après batterie pour démarrer là. T'as pas la batterie là? Bah t'as démarré. Ah oui, d'accord, tu l'as démarré comme ça. Oh là là là, le travail. Regardez même le nez devant. Allez, salut Cacahuète. Elle rentre dans la pénombre. Tu es venu là toi? Non, mais passe là, c'est ici. Oh là là, là, on fait ce qu'elle veut. Là, ça y est, ça revient là. Sale gamine. Regardez, elle est là-haut là. Il y a un chemin ici exprès. Et non, elle passe sur la route. Ah, ça commence. Attends, fais qu'à ta tête toi. T'es pénible là. Voilà, puis elle fait la folle. Tu vas te faire écraser. Oh. Voilà, bravo. On est parti chercher du pain pour les copains. Et puis, faut que je pose des chèques à la banque. Voilà. Allez, c'est parti. On part en ville. Allez, ça y est. Blackstone, c'est parti. On protège. Là, on va rigoler, là. Morgane a ressorti l'espèce de flash, là. Comment t'appelles ça? Le spectromètre pour la peinture de GG. Parce que ça y est, c'est illustré. Et vous savez ce qui est sorti informatiquement, c'est ça, en fait? Ouais. Vous savez, GG, la couleur qu'il a? Tu sais comment elle s'appelle, la couleur de GG, le bleu? Tu veux le savoir? C'est comment? Rica Berger. Voilà. GG, il est de couleur bleue Ricard Berger. Voilà. Si. La couleur Ricard Berger, en fait, c'est ça, elle a été déposée. Et du coup, voilà, si notre référence, c'est bleu Ricard Berger. Voilà, on est sponsor Ricard. Pastis. Oh, le travail, toi. Après, ça se joue sur quelques couleurs, quelques petits machins. Ricard, mais non. J'avais compris Vicard. Non. Vicard, c'est moi bien. Du coup, ça se joue sur quelques couleurs et avec quelques couleurs près, c'est Scania aussi. Scania, ils ont aussi une couleur comme ça. Donc, moi, je vous avoue, j'aurais préféré Scania, ça aurait mis un petit peu de chevaux. On peut faire Scania. On fait Scania, allez hop, on fait bleu Scania alors. Ouais, donc voilà. Ah bah ouais, il y a un référencement de peinture, je savais pas, et franchement c'est... Ah, c'est les pigments qui sont dedans. Ouais. Là, voilà. Ouais, il y a Ricard, le plus près c'est Ricard Berger, et après il y a Scania. Et après c'est Scania, voilà.
Et on est sur une échelle de à combien jusqu'à à combien ça va? Je sais plus exactement, je crois que de toute façon on a passé 30, on ne compte plus. Ouais voilà ouais. Donc là on est à 4. Et le jaune, pour exemple, donc ça va, on va retrouver quasiment la même chose. C'est jaune Ricard. Ah oui, ouais. On n'a pas flashé le jaune, ça se trouve, le jaune, c'est jaune Ricard. Je vais regarder et bleu pour, berger. Pour le plaisir, je vais regarder. Ouais, je vais le faire. Ouais. Oh, la nouvelle de la journée, toi, je t'en raconte pas. Ouais. Allez, maintenant, verdict autour du jaune. T'imagines, toi, jaune Ricard. On va dans le labo de Morgane avec tous ses pots de peinture. Je sais pas si on avait déjà filmé. Bien. Et voilà, tout est informatique. Voilà, il faut qu'il rentre le. Celui-là il est en 5, je vais te faire voir l'autre. Mmh. Voilà, toutes les couleurs. C'est bien comme ça. Tu regardes. D'accord. Ricard Berger. Ok, Ricard Berger, et là, la bande bleue. Là. Ouais, et là t'as Ricard. Et là Ricard tout court, d'accord. Ah, c'est chiant. Et sinon, c'est sur l'autre. Ah, on avait vu Scania tout à l'heure en bas. Ouais. Sur celui-là, Scania. Et voilà, Scania, ouais. Ah, d'accord. C'est chiant. Ah, c'est... Et après, avec tout ce qu'il te donne, toi, tu fabriques la peinture. Ouais, c'est ça. Là, la peinture, pigment qu'il faut mettre dedans. Ouais, voilà. Et puis après, après j'ai pick-up. Par contre, là, il n'a pas voulu se mettre. Ouh, c'est vachement rangé. Ah, il va trouver du opaque. Ah non, dommage. Renault. C'est vrai, c'est un jaune Renault. Renault Truck. Ah oh, ouais, carrément. Alors, Renault Truck. C'est pas le plus près celui-là. On va essayer de voir si j'ai l'autre qui est un peu plus près. Des fois que. Il est à moitié orange là. Sur l'ordinateur, ouais, ça fait. C'est là, hein, c'est la couleur là. Ouais, c'est là, c'est celle qu'il y a sur le véhicule et ça, c'est la zone correspondante. Toi, 7, j'arrive pas à me rapprocher beaucoup. Mmh. Mais en gros, ouais, Renault. Renault. Toi, Renault Renault Truck. Voilà. D'accord. Renault. Ford, Iveco. Ouais, bon, après, Ford, c'est Iveco. Assez loin. Ouais, bah après. Europcar, ils ont des couleurs aussi à eux. Elle veut pas. Oui, Europcar. Ah ouais. Parce qu'en fait, j'ai les enseignes. Ouais, oui, exemple, vert. Les, d'accord. En rouge. Ouais, c'est ça. Je peux te faire voir. Normalement, j'en ai un là qui doit être traîné. Regarde. Là, j'ai. Ça, c'est un gris. Ah, Coca-Cola. Gris Coca-Cola. Ouais, ils ont même du gris Coca-Cola. Mmh. Ah, il y a toutes les couleurs. Hein. Ouais, toi, c'est chiant. C'est quand tu recherches. Là, tu peux refaire n'importe quelle couleur. Quoi. Quand tu fais ça, standard, tu mets le titre de source. Ah oui, carrosserie, moto, constructeur, pub, ah oui, caravane, flotte, d'accord, pub, ok. Donc là, normalement, il te met ça, et après, bah, t'as tout le transport public, sous-couche, véhicule léger. Ouais, pas trop bien. C'est... Contre, bah, il a porté, évidemment. C'est intéressant, franchement. Là, si, normalement, ça fait ça. Je peux faire voir un peu. Mm-hmm. Par exemple, sur le bleu, là, donc c'est celui-là. Non, c'est l'autre, il se rapproche plus. Mm. Celui-là. Là, je mets formule. Ah ouais. Plus un lit par exemple. D'accord. Et là, c'est toutes les ce qui te donne. Ouais, là en gros, il te donne. Donc là, faut mettre du 911. Ouais, 911. Ouais, voilà, ouais, par rapport. T'en mets, 336 grammes. Ah oui, voilà, tous les numéros là, c'est ça mmh. Ah ok, d'accord. Là, ça finit par 931, 921, 913, toujours en fait. Ah, du 911, il en faut tant, ouais. Et puis après, ok, d'accord. Et après, tu mets, donc tu vois, après, t'appuies, tu la mets dans le gobelet, puis t'appuies, et puis ça te met, toi, les grammes là. Ouais. Là, t'appuies un peu dessus, et hop. Et après, hop. Et la peinture, elle se prépare comme ça. Voilà, c'est... une par une. Génial, hein. Ouais, trop bien. Le top, impressionnant. Bah super, merci Morgane. Moi, c'est pas un jeune Ricard. Quand même. C'est pas un jeune Ricard, il voulait le jeune Ricard, Morgane. Et non. Là, là. Bon, ça y est, moi je suis en plein décachage. Voilà, j'enlève tout ce qui est le scotch, les pédales et tout. Ouais, ça y est, le Blackson, faut attendre un petit peu parce qu'il y a des petits. Le pistolet, il a déconné un petit peu et du coup, ça fait des petits. Des quantités un peu plus importantes là. Ici, donc du coup j'attends un petit peu, mais il m'a dit rien n'empêche d'enlever le papier. Voilà, donc là on retrouve un GG, le top. On a bien fait quand même de tout protéger. Parce que regardez là, donc, tout ça là, oh là 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 là. Ouais, allez, zoom. J'ai fait le plus gros et maintenant on va demander à Capucine là toutes les pédales et tout ça. Je vais lui demander là qu'elle fasse ça là. Voilà, tu m'enlèves tout le scotch.
Voilà, doucement quand même, oh la bourrine elle doucement. Oh là là. Et par contre tu fais gaffe, tout ça des fois regarde, c'est peut-être pas forcément sec là ici, d'accord? Je vais te mettre un tabouret, tu vas être à la bonne hauteur. Ça veut dire quoi, flouti? Bah c'est qu'il y a les pédales derrière à enlever aussi. Ouais. Puis après tu mets ça dans le. Dans les sachets là, craft. Ici. Ok? Bon, basculement de la cabine. Et là. C'est pas bon signe, c'est pas bon signe. En fait, on n'a pas fini. Là. On est encore là de la roue. Ouais, c'est perforant ça? Non? Oh, c'est juste sur surface alors. Ouais, là par contre, c'est pas la même. Ah là 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 là. Ici aussi, on a vu. Hein. Putain, c'est dingue, mince. Ah, là, là. C'est un coup d'anti-rouille ou un truc comme ça, peut-être, non? Ouais, ouais. Ouais, bon, plus de peur que de mal, quoi. Et bon, comme quoi, on n'a pas fini, quoi. Tu fais des bêtises? Non, regarde. Oh là 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 là. Regardez. Ça ah, plique. Tu filmes? Ouais, je filme. Elle a réussi à peindre le bâton, là. J'ai pas fait exprès. Ouais, ça y est, Capucine, elle est au peinture l'urage. Voilà. Oh là là. Impeccable. Ça plique, elle fait ça bien. Elle applique toi bien, là. T'en fous partout, là. Mais ça, c'est toi, ça? Non, c'est moi. Ouais. Ah là là. Bah, c'est bien, petite gamine. Hein? Travaux pratiques. Peinture. Ah, je te jure. Et moi, j'étais sûr de l'électricité. C'est parce qu'en fait, là-haut, il y avait. Il y en a une lumière. Ouais, j'ai pas repris l'interrupteur. J'avais avié l'interrupteur tout pourri. Si, je peux faire ça, je vais le chercher, tiens. Ouais, ça y est, j'ai été le rechercher. Voilà. J'avais un vieil interrupteur tout pourri, un machin de maison. Voilà, avec le machin, là, t'es comme ça. Et en fait, voilà, il a fait son temps, je crois. Je l'avais déjà rescotché de partout et tout. Et en fait, il était là-dessous. Voilà, ici, pour allumer la lumière de là-haut. Voilà, ça a allumé la lumière, là. Et regardez ce que j'ai mis. Oh là 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 là, la classe. Hop, un espèce de point d'arrêt d'urgence. Hop, il y avait ça qui traînait. Hop. Et voilà, comme ça au moins, et ça c'est pareil, c'est bien, c'est que ça c'est étanche. Voilà, impec. Le top. Comme ça, il n'y a pas de... En plus, quand j'ai allumé, il fallait que je titille un petit peu le bouton. Là. Dire est-ce que ça s'allumait bien et tout. Ouais. Et donc, voilà, il a fait son temps. Allez, oh, on optimise hein, la Lovicar. Quand on jette, on jette. Allez hop, attention. On éteint. Impec. Bon, Capu, on l'arrête plus là. Hein. T'as même de la peinture. T'as vu que t'étais mis de la peinture là, ici? Oui. Ah, c'est tout frais en plus. On l'arrête pas, la gamine. Regardez, elle est en train de peindre les poignées de GG, les poignées de la calandre là. Oh là 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 là. Tu m'as dit. Non, tu m'as dit que. Oh non, fallait surtout pas peindre ça. C'est les bus de. Bon. Va falloir mettre vite une aiguille parce que là, on est mal là. Ouais, bon, bah, je vais regarder ça tout de suite. Ouais, parce que là, il y a les... c'est les sorties de lave-glace. Comment je bah, parce que je te l'ai pas dit, parce que je pars tout depuis tout à l'heure, t'arrêtes pas de me dire, il y a ci, il y a ça, machin. Je cours pas tout depuis tout à l'heure, j'ai même pas pensé à te dire ça. En même temps, c'était encore à poncer, et puis t'as dit, non, oh, c'est bon. Donc, voilà quoi. Et il t'a dit quoi, Marc? Non. Il t'a pas dit que c'était bon à poncer? Ah bon? Et t'as pas dit qu'il fallait cacher ça? Bah non. Bon, bah on va voir ça.